Chers frères et sœurs, chers membres du groupe Société de la dernière génération, bonjour. Comment nous lever matin? Eh bien, moment arrivé, côté que nous pral étudier ensemble la parole de Dieu. Mais quoi que avec Dieu nous t'ai passé une bonne nuit. Mais nous dit bon Dieu, merci. Leçon que nous gagnons pour ce maintenant, c'est bien leçon 7 qui vient pour titre L'adoration dans l'éducation. Verset à mémoriser. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. 1 Chronique 16, verset 29. Pendant ce maintenant, c'est leçon ça que nous gagnons. Il y a, c'est leçon 7 qui c'est l'adoration dans l'éducation. Eh bien, Jean que nous t'éouel hier, ok, Jean que nous t'éouel hier, c'est que il y a plusieurs raisons qui t'a supposé faire nous bail, bon Dieu gloire. Eh bien, jeudi, hein, qui c'est dimanche, 8 novembre, nous après, nous adorons tous quelque chose. Eh bien, avant que nous entrions en partie, je dis, hein, Bestep, nous avons fait un coup de prière. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour bonté, pour amour, pour privilège que nous avons dans nous chaque jour. Mais côté que nous prenons étudier parole, ou, que Saint-Esprit ou comme avec nous. Que Dieu fait nous grâce, que Dieu pardonne nos péchés, nous. Nous pouvons ça au nom de Jésus. Amen. Oui, chers frères et sœurs, il y a plusieurs raisons qui t'a poussé nous à adorer bon Dieu, qui t'a poussé nous à rendre à notre Dieu et gloire. Dormi, nous lever matin. Et dans ça, supposé fait pour nous chanter les Alléluia sans fin, pour nous dire bon Dieu, merci pour une nuit. Que nous passions en bien. Parce que y a plusieurs monde qui te dormi même avec nous, c'est vrai, mais qui n'ont pas une chance pour lever matin. Et c'est comme ça tout, il y a un pile d'où qui levait, mais il te passé une mauvaise nuit parce que y a des maladies qui t'a congé. Mais nous-mêmes, bon Dieu, fais-nous grâce. Nous dormi, nous levé, nous dit merci. Nous adorons tous quelque chose. Qui ça que nous adorons comme ça? Et nous adorons tous quelque chose. Eh bien, frères et sœurs, gagner et quelques bagailles dans nous-mêmes, attendez bien, gagner quelques bagailles dans nous-mêmes, yon bagaille qui sans doute qui t'est arrivé à l'origine, ok, tissé dans nous-mêmes par Dieu. Gagnons bagaille dans nous. Qui t'est arrivé fait, ou donc qui t'est arrivé metté par Dieu dans nous-mêmes. Mais qui, comme pour tout le reste, s'est déformé par le péché. Guillaume Bagay, dans nous-mêmes, qui t'est arrivé injecté par Dieu, et bien après, en quelques temps, il est arrivé une déformé par Dieu. Et bien, ça n'est pas l'autre que. Adoration. Eh bien, il est vraiment évident qu'au début, nous te dois adorer le seul digne d'être adoré, qui c'est notre Créateur, notre Seigneur. Mais depuis la chute, eh bien, ça a arrivé changer. Il y a nous commencer à adorer ça qui pas mérité adoration. Tenez bien, nous adorons tous quelque chose. Il y a, c'est que depuis à la création, du moins depuis à l'origine, Dieu te met ton bain dans nous. Il y a, mais avec le péché, il vient arriver déformé, qui c'est l'adoration. Au début, nous t'avons adoré. Il y a alors, Adam et Ève, nous t'avons adoré le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Eh bien, péché vient entrer, et bien ce qui s'est passé, il a quitté le Créateur la Kounia,
y a pas adoré créature. Nous a pas adoré, nous tout net n'a pas adoré un bagaille. Quelqu'un ou du moins peu importe. Et bien ça expliquer pour qui ça. Tout au long de l'histoire de l'humanité, chers frères et sœurs, et même je ne je dis hein, les humains pratiquent l'adoration depuis l'histoire de l'humanité et juste je ne je dis hein, nous les humains nous avons pratiqué l'adoration dans l'Égypte ancienne, chers frères et sœurs, mais moun yo te adoré Pharaon. Attendez bien, oui. Longtemps, dans l'Égypte ancienne, moun yo te adoré Pharaon. Dans l'autre époque, dans quelques autres pays, bien moun yo adoré pas mal de statues de poissons, des dieux à tête multiple, dieux saeux et d'autres divinités supposées. Bien, quelques moun tout qui t'a adoré le soleil, la lune, les étoiles. Ça veut dire, péché a si tellement fréquent, il s'est tellement changé tout le bagaille, et bien même mode, même façon d'adoration a changé. Ça veut dire, après que nous avons adoré le Créateur, il y a, mais le péché vient entrer, avec par la suite, nous quitter le Créateur là pour adorer. Eh bien, yo adoré créature yo. Hélas. Je dis, hein, la plupart des gens, yo si tellement trop sophistiqués pour yo incliner devant yon statue de grenouille, mais yo pas fait ça. Yo incliné devant yon statue de Marie. Mais ça pas signifie pour autant que les humains même séculier pas adorer yon l'autre bagaille qui c'est l'argent, le pouvoir, le sexe et même d'autres plus. Parfois tout c'est les stars de rock, les acteurs, les politiciens. Nous adorons tous quelque chose. Il y a, eh bien, chers frères et sœurs, parfois dans nous nous pas gain assez de cran pour nous descendre nous devant une statue. Nous pas gain assez de courage pour nous aller adorer la lune, le soleil. Mais moi m'avoue que parfois nous adorer l'argent, pouvoir, sexe, y a les stars de rock, les musiciens, les acteurs, les politiciens. Mais tout ça que nous aimons plus que bon Dieu, nous venons idole pour nous, chers et sœurs. Et c'est une raison qui fait que, un auteur laïque qui est le David Foster Wallace, il dit, si vous adorez une mauvaise chose, elle vous mangera tout cru. C'est que l'on va adorer yon bagay qui n'est pas bon, yon vieux bagay, et bien bagay ça qui va adorer. Hein. L'on pour le manger tout cri. Eh bien, lorsque nous lisons dans Daniel 3, nous avons importance, véritable adoration. Nous avons que les trois juifs, ou du moins les trois jeunes garçons juifs, t'es évidemment à prendre le second commandement qui fait qu'on est que tu vas te mettre à genoux devant statue. Et tu es aussi sérieusement que Dieu te défend pour te adorer statue. Eh bien, lorsque en Babylone, ils ont demandé pour mettre à genoux devant statue, ils n'ont pas voulu. Eh bien, ils t'ont voulu. Touye yo, mais bon Dieu t'es campé avec yo et bon Dieu te défend yo. Et bien, chers frères et sœurs, tout ça que nous aimons plus, tout ça que nous plus concentrer nous, et bien, les vignons idoles pour nous, c'est que en nous battre pour nous équilibrer bagay yo.
En nous battre pour nous bailler à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous restons là, chers sœurs. Nous reconnaissons une question, une lumière. Et nous faisons place avec nous-mêmes. Et déjà, nous souhaitons bonne journée avec Jésus.